Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis, aujourd'hui nous allons revenir avec un invité que vous avez peut-être connu parmi vous, les plus fidèles auditeurs, on va dire, Igor Ekot, qui va nous présenter aujourd'hui Le Rêve d'Igor. C'est un livre que tu présentes donc en français cette fois-ci. Il y a 5 ans, donc, je t'avais effectivement interviewé sur les fameuses grottes de Han. Tu as une passion vraiment avérée pour ces grottes, et donc aujourd'hui tu vas nous en parler puisque tu as effectivement écrit un livre en français et donc qui va pouvoir être un petit peu plus, disons, épandu dans le monde, parce qu'il faut savoir aussi que tu es quand même à la base néerlandophone, et donc voilà, tu as permis donc maintenant au monde de lire ça en français. Dis-nous un petit peu de quoi est-ce qu'il en retourne. Ben voilà, pourquoi le français? C'est parce que ici on est en Wallonie, évidemment c'est ici que l'histoire, le rêve d'Igor, c'est fait, hein, donc c'est aussi ici que toutes les recherches historiques que j'ai fait par rapport à la grotte ben, se sont faites, et voilà, tout ça c'est fait en français, évidemment. Voilà. Alors tu es guide aussi effectivement dans ces grottes de Han, oui. Et donc toi tu as finalement instauré une nouvelle sorte de visite. D'ailleurs j'invite les auditeurs à revoir un petit peu cette vidéo qu'on avait tournée il y a 5 ans où, qui explique succinctement un petit peu de quoi est-ce qu'il en retourne. Mais donc aujourd'hui effectivement ce rêve commence vraiment à se concrétiser, tu vas pouvoir effectivement un peu en parler plus. Et là aujourd'hui d'ailleurs on est là pour une conférence que tu vas présenter. Donc, ouais, c'est le lancement du livre voilà. Officiel aujourd'hui. Et donc voilà, pourquoi suis-je aussi convaincu que cette histoire qui est quand même personnelle, que c'est à partager avec le grand public? C'est parce que je crois tout à fait qu'il y a un message dans toute cette histoire qui n'est pas personnel du tout, mais qui est justement universel. Donc un message qui parle de la conscience, de l'augmentation de la conscience, mais aussi de l'histoire spirituelle de la grotte. Et voilà, donc j'espère que ça va plaire à tous les lecteurs. Alors effectivement, donc raconte-nous un petit peu, grosso modo, pour les gens qui n'auraient pas vu la vidéo il y a 5 ans, ce qu'il s'est passé. Je sais que toi, tu as eu une vision apparemment avec cette grotte. Est-ce que tu peux nous en reparler éventuellement? Oui, mais en fait, l'histoire commence quelque part en juillet 2012, où je reçois un livre avec des exercices de méditation, de visualisation. Alors en faisant le premier exercice de visualisation, je me vois traverser une grotte. Donc en fait, je partais de cet endroit-ci, dans mon rêve. Et je continue et je traverse la grotte en bateau, finalement, avec un singe, le singe qui était mon guide et qui me guide à travers la grotte. Et à un moment donné, il me dit de traverser une paroi au-dessus d'un lac souterrain. Et là, en traversant le petit trou dans la paroi, je me trouve dans un autre monde, avec des palmiers, avec tous les un autre paysage, quoi. On pourrait presque dire l'Agartha quelque part, une sorte d'Agartha, une sorte de... Oui, voilà, un endroit paradisiaque, voilà, on va dire. Ouais. Et voilà, donc le lendemain, donc, parce que cette époque-là, quand j'ai fait cette visualisation, je travaillais pour un homme qui était en train de mourir. Il avait une maladie musculaire, ALS. Et donc le monsieur, il me dit de suivre le rêve, parce qu'il était convaincu que l'endroit que je décrivais existait dans la réalité. Et il me dit de commencer mes recherches aux îles Canaries. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à chercher à La Gomera, donc c'est l'île juste à côté de Tenerife. Et donc on a vécu là pendant 9 mois, mais on n'a jamais trouvé la grotte. On a trouvé exactement l'endroit avec les palmiers, les montagnes, ça tout à fait c'était exactement pareil, mais pas la grotte. Donc après 9 mois, nous décidons de retourner en Belgique, parce que ma femme déprimait un peu là-bas, aussi loin de sa famille. Et donc c'est comme ça qu'on arrive ici à Han-sur-Lesse. Et donc ici à Han-sur-Lesse, quelques mois plus tard, je commence à travailler comme guide touristique. Et vous pouvez déjà deviner, je trouve exactement la même grotte que dans le rêve. Maintenant, ce qui est le plus marrant, c'est que quelques jours après, mes premiers jours de travail, je rencontre quelqu'un, mon premier copain en fait, qui est surnommé le singe. Et c'est lui qui commence à raconter mon histoire un peu à tout le monde. Et quelques jours plus tard, je reçois un coup de fil d'une journaliste de ma télé, de la télévision locale, et qui commence à m'interviewer quelques jours après. Et après écouter mon histoire du rêve, elle me pose la question, tiens Igor, ton rêve, c'était quand exactement? Et je dis, c'était juillet 2012. Eh bien tu sais Igor, en juillet 2012, il y a eu un spectacle de théâtre ici à la sortie de la grotte qui s'appelait Le Rêve d'Igor et qui parlait d'un personnage Igor qui croyait tellement dans ce rêve que ça s'est manifesté. Donc voilà, c'est déjà pas mal comme coïncidence et voilà, ça c'est Le Rêve d'Igor. Donc effectivement, ce bouquin, alors... La sortie officielle, c'est là maintenant? C'est aujourd'hui, oui. C'est maintenant, aujourd'hui. Le 2 du 2
2020, c'est pas une date anodine, je suppose. Non, pas du tout. Parce que déjà, c'est la Sainte Brigitte. Voilà. Aujourd'hui, donc, la directrice de la grotte s'appelle Brigitte. D'accord. Mais ce qui est plus important, c'est aujourd'hui, c'est le 02-02, donc le 2 février de 2020. 2020. Donc, ce sont toujours des deux. Maintenant, le 2, c'est le numéro du signe. Parce que quand on regarde le signe, ça fait un numéro 2. Et le signe, c'est l'archétype qui joue un peu le rôle principal dans tout ce qui est théorie de conscience que j'ai développé après le rêve. Donc je me retrouve avec Brigitte Malou, la directrice des Grottes de Han, qui donc eh bien, finalement a engagé quelque part, j'ai envie de dire, Igor, qui est là donc pour nous parler des Grottes de Han différemment, hein, d'une façon presque alternative. Quel effet ça vous a fait quand il vous en a parlé la première fois, madame ? Son histoire m'a fascinée, surtout son histoire personnelle, tous les signes qu'il a rencontrés dans sa vie et la manière dont finalement ces signes l'avaient amené jusque chez nous. Et donc quand on l'a engagé, on s'est dit, là on rencontre quelqu'un qui va avoir un regard différent sur les grottes, qui a une passion, on va tenter le coup. Et je suis ravie d'avoir tenté le coup parce qu'effectivement son histoire continue à me passionner. Alors effectivement, c'est vrai que c'est quand même pas courant, on peut le dire, un guide, on va dire, d'un endroit comme ça, magnifique, que sont les grottes de Han. Hein, on sait très bien qu'il y a plusieurs grottes en Belgique et partout d'ailleurs dans le monde. Mais c'est vrai que c'est pas courant d'avoir un guide qui tout d'un coup, hop, permet finalement aux visiteurs de découvrir les grottes sous un autre angle. Vous avez déjà vécu cette visite alternative, dite alternative, j'ai envie de dire. Avec Igor. Avec Igor. Oui, oui, donc j'ai fait déjà plusieurs fois la visite alternative. D'accord. Avec Igor. Donc son histoire, je la connais. Chaque fois que je la réécoute, oui. Chaque fois je reste fascinée. Elle reste cohérente et elle reste extraordinaire. Donc ça me fascine. Son histoire me fascine et sa relation à la grotte me fascine aussi. Est-ce que vous pensez justement que le monde actuellement a besoin un petit peu de cette magie, un peu de rêver, puisqu'il s'agit ici du rêve d'Igor, on le sait très bien, qui est le titre de son bouquin. Est-ce que vous avez l'impression, vraiment le sentiment, qu'on a un petit peu besoin, même si ce n'est pas très rationnel, de pouvoir un peu s'éloigner des limites de notre conscience, j'ai envie de dire ? Je pense que c'est plus qu'un rêve. Ici, nous avons un site, une grotte, qui est une réalité, mais une réalité qui nous dépasse. Une réalité qui est beaucoup plus grande que nous, beaucoup plus lointaine que nous, qui nous dépasse complètement et qui est extraordinaire. Et je pense que le monde a besoin effectivement de se relier de nouveau à la nature. La nature continue à nous fasciner, mais aussi à nous. Elle nous dépasse, elle est plus grande que nous, et je pense qu'on a besoin de choses qui sont plus grandes que nous. Alors effectivement, donc, ces grottes sont visitables donc une bonne partie de l'année. Et là, aujourd'hui, c'est exceptionnel. Elle a été ouverte pour cette visite, donc on va dire une visite spirituelle qu'on a fait en groupe avec à l'ouverture justement du livre. Hein. Donc vous êtes donc la directrice, je le répète, des grottes de Han. Vous avez donné l'honneur de pouvoir visiter justement ces grottes de manière différente aujourd'hui, hors tourisme, j'ai envie de dire. Quels sont les projets pour 2020 justement pour les grottes de Han, sur un point un petit peu plus rationnel, on va dire? Alors, au niveau de la grotte, on a déjà beaucoup fait de développement ces dernières années, dans le sens où on a refait complètement l'éclairage. Alors l'éclairage, c'est pas juste changer les ampoules, on a complètement remodifié l'éclairage pour y mettre du LED, mais surtout pour en refaire une œuvre d'art, parce qu'en fait, une grotte n'existe que par son éclairage. Et donc, on a travaillé avec des équipes externes, donc une société allemande vraiment spécialisée en éclairage de grotte, et nos équipes internes qui connaissaient la grotte comme leur poche, et ils en ont fait une œuvre d'art dans le sens où chaque salle est éclairée, mais vraiment avec une réflexion sur les couleurs, l'intensité, la dynamique de l'éclairage. Et qu'est-ce qu'on s'est rendu compte ? C'est que l'éclairage LED, étant beaucoup plus proche de la lumière naturelle, les vraies couleurs de la grotte en ressortent d'autant plus, et les profondeurs, les reliefs de la grotte en ressortent d'autant plus. Donc on a redécouvert notre grotte, c'est vraiment comme une renaissance de la grotte. Oui, effectivement, donc il y a ces reliefs qu'on peut voir sur la vidéo, qui finalement révèlent encore comment on ressent, avec son ressenti, avec ses propres yeux, finalement des formes, des ombres, pourquoi pas, comme disait Igor, la Vierge Marie. Bon, voilà, c'est simplement des pareidolies ou non, en tout cas, ce sont des choses qui font de nouveau rêver. C'est vrai que c'est un endroit que je conseille vraiment de venir visiter en Belgique, à Han-sur-Lesse, hein, plus exactement. Il y a effectivement aussi un spectacle qui s'appelle Origine, si je ne m'abuse. Pouvez-vous nous en parler un petit peu ?
Oui, donc c'est au cœur de la visite. Il y a la salle d'arbres qui est une très très grande salle qui fait avec une plateforme de 600 mètres carrés et la Les School au pied de cette salle. Et nous avions dans le temps un son et lumière très ancien qui commençait à devenir vraiment vieux. Et on s'était dit, quand on aura terminé tout l'éclairage, on va refaire ce son et lumière, mais alors en utilisant les technologies modernes, également les technologies d'image. On ne savait pas très bien comment commencer à ce projet, parce que voilà, c'est un projet quand même unique. Et alors nous avons été contactés, de nouveau, un hasard, un signe, par Luc Petit, qui est un très grand scénariste donc utilisant les technologies de vidéo mapping et autres, et voulait absolument faire quelque chose dans la grotte. Et donc, on a travaillé ensemble pour créer ce spectacle qui est au cœur de la visite. Donc, chaque visiteur de la grotte a l'occasion de voir le spectacle. Il dure 5 à 7 minutes, selon le cas. Et je dirais qu'on est immergé dans la lumière, les images, et la musique, tout est fait vraiment sur mesure, mais qui met en valeur la grotte. Donc ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un spectacle qui permet de voir tout le relief, les concrétions de cette salle, mais à travers des images qui retracent, alors il y a une histoire sans parole, voilà, mais qui retrace les origines du monde et les origines de la grotte. C'est ça, effectivement, donc pouvoir revoir les grottes sous un autre angle, c'est le cas de le dire, hein, avec non seulement Igor, qui lui organise de temps à autre, je pense, donc des visites spirituelles, je crois que c'est 3 ou 4 fois par an. Comment ça, est-ce que vous pouvez un tout petit peu nous en parler éventuellement? C'est son initiative, voilà. Il le fait quand il sent le besoin de le faire, voilà, il nous propose, est-ce que je peux faire une visite à cet âge-ci? Et donc, c'est son initiative. Maintenant, si les gens veulent se renseigner, ils peuvent toujours passer par les grottes aussi. Bien entendu, vous pouvez finalement vous lui donner carte blanche, oui, entièrement, et j'ai envie de vous remercier pour ça, parce que vraiment, voilà, je pense que c'est une initiative qui devrait peut-être... Pourquoi pas? Alors, je ne dis pas qu'il y a des Igors partout dans toutes les grottes de Belgique ou de France et de Mathusalem, mais en tout cas, c'est vraiment cette ouverture d'esprit. Et vraiment, merci pour ça. Et merci de nous faire effectivement découvrir les grottes de Han, hein, qui sont là éternelles sous nos yeux depuis plusieurs générations, en tout cas. Et grand merci à vous, en tout cas, Madame Malou, pour cette initiative, ce partage, et puis pour ce que vous faites aussi. Un grand plaisir. Tous ceux qui se passionnent pour la grotte sont les bienvenus. Ce que je trouve bien, c'est que tu es resté effectivement cohérent par rapport à ça. Ça ne t'a jamais quitté. Ce rêve est toujours présent. Et là, plus encore, puisque tu vas pouvoir justement toucher un peu plus de monde avec ce bouquin en français, voilà, donc, qui sort aujourd'hui. Ça, c'est l'intention, oui. Voilà. C'est au contraire, oui, c'est vrai que l'idée que j'avais déjà il y a 5 ans s'est seulement développée. Il y a encore eu des coïncidences qui ont rajouté des informations extraordinaires sur la grotte, quoi, parce que c'est la toponymie de ce massif, oui, que beaucoup d'historiens ne savaient pas, ouais, que le nom ici, le Boine, vient ou est dévié d'une ancienne dièse celtique. Qui était Boine, donc ça existe toujours. En Irlande, on trouve toujours la vallée de la Boine avec son temple qui est dédié à la constellation du Cygne et qui s'appelait le Bruna Boine. Donc ça veut dire littéralement la matrice de la vache blanche. Et donc ici aussi, on se trouve ici devant la grotte, dont le massif s'appelle Boine, le massif de Boine. Donc on peut dire qu'ici aussi, c'est une matrice de la vache blanche. Hein, surtout quand on rentre dans la grotte, on voit les stalactites blanches qui donnent de l'eau potable. Donc voilà, l'élément nourrissant du lait, de la vache blanche, c'est tout à fait présent aussi. C'est une symbolique vraiment, oui, multidimensionnelle, presque. Hein, genre... Oui, multidimensionnelle, effectivement, parce que c'est pas seulement la toponymie, ni seulement la culture celtique qui a trouvé le lien, mais il y a aussi la coïncidence qui joue une partie énormément spéciale, parce que y a dans le passage de la Les, à travers ce massif de Boine, on peut voir exactement la Voie lactée. Donc c'est vraiment un miroir, un reflet parfait. Et surtout, là où se trouve la constellation dans la Voie lactée, c'est là où la Voie lactée se divise en deux. La constellation du Cygne. Eh aussi ici, il y a un moment donné, ouais, où la rivière se divise en deux dans cette colline, dans, d'accord, la grotte. Et justement, à cet endroit-là, il y a deux salles qui ont la forme d'un cygne et d'un œuf. Donc c'est vraiment le reflet avec la Gomera et Tenerife, si je peux vous montrer tout à l'heure. Donc c'est vraiment... un miroir, 2-0, 2-0. Et donc le signe, le Sainte-Brigitte, tout ça, ça vient de là. Voilà, et on en revient toujours un petit peu à ce même constat. Finalement, l'univers, tout ce qui nous entoure, c'est un peu multifractal. Tout se répète dans tout. C'est un petit peu comme avec, quelque part, les fameux domaines mégalithes, tu sais, qu'il y a en Angleterre. Donc, oui. Mais parlant de ça, j'ai pas encore dit ça. D'accord. Mais 2 ans avant que j'ai fait le rêve d'Igor, là, de la visualisation... J'étais en Angleterre, oui, et
c'est là où j'ai vécu quelque chose de super extraordinaire, parce que là, je me suis trouvé face à face à trois boules de lumière. Heureusement qu'il y avait un copain à côté de moi, sinon j'aurais toujours peut-être douté de ce que j'ai vu. Maintenant, ce que j'ai vu, c'était vrai, les boules de lumière étaient là, mais c'est à partir du moment-là, après, que j'ai commencé à voir les signes, que j'ai rattrapé une sorte d'obsession bizarre pour les signes, et que j'ai commencé à faire des rêves prémonitoires et tout ça. En plus de ça, le signe, comme le nom l'indique, ce sont des signes. Voilà, donc il n'y a pas de hasard, mon cher Igor. C'est ça l'essence du message, effectivement. Oui. Donc ce bouquin, comment est-ce qu'on peut se le procurer? Dis-moi tout. C'est Demdel Édition qui publie le livre. Donc je vais faire un site web moi-même. Donc voilà, vous visitez le site web ou bien mon Facebook, Igor Ecote. Vous tapez juste mon nom et vous tombez dessus. Je mettrai bien sûr tous les liens, comme d'habitude, en dessous de la description. Donc voilà, c'était une courte présentation de ce bouquin qui fait à peu près combien de pages? C'est 120 pages pour une première édition. Maintenant, je travaille déjà une deuxième édition pour l'année prochaine qui va être beaucoup plus épaisse. Et voilà. Mais pour l'instant, pour commencer, c'est pas mal, 120 pages. C'est pas mal du tout. Et surtout, ça va peut-être permettre aux personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de lire des gros livres de pouvoir avoir une autre dimension par rapport à cette grotte de Han qui fait quand même partie du paysage belge, hein, on peut le dire, Han-sur-Lesse. Hein, nous sommes ici donc à Han-sur-Lesse. Et voilà, je pense qu'il était vraiment important de rendre hommage, de toute façon, aux grottes du monde, j'ai envie de dire, parce que toutes les grottes sont magnifiques. C'est vrai. Mais la grotte de Han est particulièrement très, très, très belle. Particulièrement très intéressante et interdimensionnelle. Quoi. Oui. C'est une vraie porte des étoiles. Et donc voilà, ce que ça veut dire en détail, ça je ne peux pas dire ici parce que c'est trop technique, mais c'est pour ça que j'ai écrit le livre, évidemment. D'accord. Écoute, Igor, j'espère que les gens pourront venir te voir parce que, donc, je le répète, tu es guide ici aux Grottes de Han aussi. Oui. Guide, on va dire, classique. Et là, donc, à travers ce livre, tu nous permets de faire une autre visite multidimensionnelle par rapport, à ce lieu. De temps en temps, je fais des visites un peu spirituelles. Il y en a 3-4 par an. D'accord. Où je peux guider des groupes et d'une autre manière. Hein, donc, où j'explique un peu le côté plus technique de ce que je parle, la porte des étoiles. Oui, et ça, je conseille vraiment parce que je l'ai faite il y a 5 ans. Et c'était vraiment super, super instructif. En tout cas, grand merci, Igor, pour ta passion, pour ce que tu fais. Et puis, j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent, puisque nous sommes écoutés à travers le monde, en tout cas francophones, à venir ici en Belgique, à Han-sur-Lesse, pour rencontrer Igor. Et puis, pourquoi pas, cas, parler du bouquin et pourquoi pas le faire dédicacer aussi. Avec beaucoup de plaisir. Merci à vous, Alexis, de me donner encore une fois la chance pour atteindre tous vos spectateurs. Merci beaucoup, Igor, et franchement, très très bonne réussite dans la vente de ce livre, dans le partage aussi de toutes ces informations qui, j'espère, vont faire mouche, et pourquoi pas un documentaire peut-être plus tard. Voilà. On va travailler un peu à ça. Mais pour l'instant, c'est déjà pas mal avec le livre. Merci beaucoup, Alexis. De rien, Igor. À ciao, à bientôt. Chers auditeurs, à tout bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut!